4 fils de mafieux. Pour les gens normaux, on fait partie de la mafia. Et pour nos pères, on n'est que des coursiers. Cherchent à prouver leur valeur. Si vous avez des problèmes, je peux peut-être vous aider. T'as apporté tous les sandwichs. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Mais personne ne veut leur donner leur chance. Écoute, je peux faire ce boulot. Et Marbles a un avion. Marbles? Ce gars-là est à moitié idiot et ça, c'est sa meilleure moitié. Billets de sang, c'est que ça court pas les rues dans le coin. Je me suis arrêté pour faire le plein. Qui a les billets, Marbles? J'en ai aucune idée. Où est-ce que tu es? Dans le Montana. On arrive. Regardez-moi ça. En une semaine, on serait les maîtres de cette ville. Je t'ai eu. Mon ami a perdu un sac hier. Ici, on fait attention à ses affaires. Parce que vous voulez pas perdre vos vaches, c'est ça? Tu es indésirable. T'as pas vu d'étrangers par ici? Non, à part toi, non. On dirait qu'ils se multiplient. On a intérêt à ouvrir l'œil. On a un problème. Les flics sont au courant. Des flics ripoux? Oui, il a du fric. Où est-ce qu'on peut s'amuser un peu dans cette ville? Avant, on aurait pu. Maintenant, je suis prise. Ils nous supplieront de reprendre le fric tellement qu'on va leur foutre la frousse. On apprend un max de trucs avant d'arriver au 500e combat. Mais le plus important, c'est ça. Tu sais, avant, les choses se faisaient d'une seule façon et c'était la meilleure. Aujourd'hui, tout le monde veut se mêler de ce qui se passe. Ils vont appeler leurs oncles et leurs pères, et les mafieux vont débarquer en ville. Tu crois pas qu'ils vont quitter la ville sans leur pognon? C'est le problème. On peut pas les laisser partir. C'est l'heure. Mes amis et moi, on voudrait quitter votre ville. Mais on a un truc à récupérer.